إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، حياكم الله جميعا. الحمد لله. Donc nous sommes avec le prologue inshallah ta'ala. Comme d'habitude, avant de commencer, il y a toujours un préambule. On le voit inshallah. Donc samedi 4 Jumu'ah al-Oula, Jumada'a Afun al-Oula 1442, soit le 19 décembre, c'est le quatrième cours bi'idhnillahi subhanahu azza wa jal. Du livre, bien sûr, quatrième cours du livre Al-Mu'taqad al-Sahih. Al-Allama Abu Salam ibn Burjis rahimahullah ta'ala. C'est-à-dire la croyance authentique. Naam. Un livre, masha'Allah. Cheikh Abu Salam ibn Burjis. Que Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Naam. La transcription de Ibn Youssef, traduction des admins M. Kamal et H. Samir, expliqué par celui que vous entendez, bi'idhnillah ta'ala, maintenant en direct avec vous. Tayyib. Donc, on avait cité trois règles importantes dans l'aqida, inshallah ta'ala. C'est juste pour se remettre dans le bain, inshallah ta'ala, si vous vous rappelez. Donc, la première, que il n'y a dans ce monde que, yani, ou bien croyant, ou bien quoi, ou bien kafir. Mécréant ou croyant, il n'y a pas de milieu. Et quelqu'un va dire où sont les hypocrites. Les hypocrites, c'est mécréant. Donc, il y a seulement mécréant ou croyant. Il n'y a pas de milieu, bi'idhnillahi ta'ala. Tayyib. Ensuite, on a cité l'aya qui prouve bien cela. Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. C'est lui qui vous a créé. Parmi vous, il y a mécréants et croyants. Allah observe attentivement. Tayyib. Observe parfaitement ce que vous faites. La deuxième règle, tous ceux qui meurent musulmans iront au paradis. Yani, leur dernière demeure sera le paradis, à condition qu'ils meurent musulmans sur le tawhid. Mais ce n'est pas obligé qu'ils aillent directement au paradis. Il est possible que certains, ou alors beaucoup, peut-être, passeront d'abord par l'enfer, que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Car celui qui rentre au paradis, qui rentre en enfer, une seconde, il sera avilé. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaytah. Notre Seigneur, quiconque tu fais entrer en enfer, il sera avilé. Tu l'auras avilé, oulayadu billah. Sauf s'il la pardonne. Sauf s'il la pardonne, c'est-à-dire à qui? À ceux qui, normalement, devaient passer par l'enfer, mais Allah leur a pardonné. Sa miséricorde est très grande, Troisième règle, aucun mécréant n'ira au paradis, même s'il a construit 1000 mosquées, même s'il a fait manger des millions de personnes, même s'il a bâti des immeubles aux gens qui n'avaient pas de maison, des villas somptueuses, aucun mécréant n'ira au paradis. Allah Azza wa Jal, ici dans ce monde, il lui donnera, yani, le risque, il lui donnera, yani, à boire, à manger. Vous voyez comment les kofars, ils mangent, comment ils vivent. Non. Donc son paradis, c'est ici. Pas de paradis pour le mécréant. Et si quelqu'un dit, un mécréant, il est possible qu'un mécréant aille au paradis, il devient kafir. Parce qu'il contredit les versets. Et s'il doute aussi, il dit peut-être qu'il ira, il devient kafir. Mais on avait bien mis, il y a une parenthèse, que le mécréant dans la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi je dis ça? Il est possible que pour toi, telle personne est une mécréante, alors qu'elle ne l'est pas. Donc c'est dans la science d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est mécréant. Qu'il est mécréant en âme.
Et la preuve, c'est la kafar al-ladina qalu in Allah, ladina qalu in Allah ou al-Masih ibn Maryam. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم ولا الفرسي إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie, fils de Marie, c'est-à-dire ce qu'ils appellent Jésus. Alors que le Messie a dit, c'est-à-dire Isa a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. M'adorez pas moi, adorez Allah, naam. Quiconque associe Allah à d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis. Et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secours. Aussi le verset, « Inna alladhina kaddabu bi ayatina ustakbaru anha, la tufattahu lahum abwabu sama, wa la yadkhuluna al-jannah, hatta yalija al-jamal fi sam al-khiyat, wa kadhalika najzi al-mujrimin. » Pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements, et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes et ils n'entreront pas au paradis. Ils n'entreront au paradis que quand le chameau pénètre dans le chat de l'aiguille. Alors que c'est impossible qu'un chameau pénètre par le trou de l'aiguille, comme c'est impossible qu'un mécréant aille au paradis. Ainsi, rétribuons-nous les criminels. Naam. Ensuite, on avait parlé du tawhid. Naam. On avait dit que il comportait quatre grands piliers. Le premier, c'était attester que Allah Ta'ala existe. Et que le deuxième, unifier Allah dans sa seigneurie. Et que le troisième, unifier Allah dans sa divinité. Et que le quatrième, unifier Allah dans ses noms et dans ses attributs. On a profité ici pour dire que certains mettent un cinquième tawhid, le tawhid de la gouvernance. Et ce sont seulement les gens de la bida qui font ce cinquième tawhid. Il n'y en a que trois. La seigneurie, la divinité, les noms et les attributs. Eux, ils ajoutent le quatrième. On ne parle pas d'attester l'existence d'Allah, ça, c'est normal. S'il n'y a pas ça, on est athée. Eux, ils ajoutent un quatrième, ils disent le tawhid de quoi? De la gouvernance, le tawhid hakimiyya. On a dit que ça, ça rentrait dans le tawhid rububiyya, car c'est lui qui a dit in al-hukmu illa lillah, la gouvernance n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça rentre aussi dans l'uluhiyya, car Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de juger avec ses lois. Man lam yahkum bima anzala fa ulaika hum kafirun adh-dhalimun al-fasiqun. Donc on n'a pas besoin de le mettre, lui donner un statut spécial. Il rentre dans les deux bi'idhnillahi ta'ala. Donc on avait dit qu'en résumé, Sunna al-Jama'a prend pour point de départ dans ce chapitre de solides bases légiférées bi-idhnillahi ta'ala. Quiconque s'y attache sera épargné de la déviance bi-idhnillahi ta'ala. Donc c'est quoi maintenant ces bases? La première base, attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il s'est lui-même attribué, ou ce que lui a attribué son messager alayhi sallam, sans rajout ni diminution. La deuxième base, exempter Allah Ta'ala de toute ressemblance aux créatures dans ses attributs, car il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. La troisième base, ne pas essayer de percevoir comment sont ses attributs. Allah Ta'ala a dit, selon une traduction rapprochée, et eux, c'est-à-dire nous bien sûr, ne peuvent le cerner de leur science. Non, tu as beau essayer jours et nuits de percevoir les attributs d'Allah Ta'ala comment ils sont, tu ne pourras jamais arriver à un résultat, et encore moins chercher le comment. Al-Sunna al-Jama'a comprennent le sens de l'attribut, mais ne connaissent pas sa haqiqa et son kun, comme on dit. Ils ne connaissent pas le comment. Ils ne connaissent pas le comment. Sinon, ils connaissent le sens. Non, sa réalité. Sa réalité, non. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Il a dit, non. Donc, voilà une règle d'ordre de Sunna al-Jama'a. Ils attestent, les noms et les attributs de Allah subhanahu wa ta'ala, mais comment ils les attestent? Comment? Non. Premièrement, sans reniement. Quand on lui dit Allah subhanahu wa ta'ala descend, ou bien une main, ou bien deux mains, ou bien deux pieds, ou bien
d'après ce qu'il y a dans les versets des hadiths, ils ne disent pas non, ce n'est pas vrai, il n'y a pas ça. Ça, ça s'appelle le reniement. Ta'til, certains l'appellent le dépouillement. Non. Mais plutôt, ils acceptent le sens apparent. Non. Deuxièmement, comment aussi ? Sans falsification, non tahrif. Ils ne disent pas d'accord. Allah Ta'ala a une main, mais yani, la main veut dire le bienfait, la ni'ma, ou bien veut dire la puissance. Non, sans falsification. La main, c'est la main. Sauf que je ne sais pas comment qu'elle est. Je ne connais pas le comment. Sans ressemblance. Ils ne disent pas d'accord, Allah a une main, donc c'est comme ma main. Non, sans ressemblance. Ni un attribut de moi ressemble à Allah, ni un attribut d'Allah peut ressembler à un de mes attributs. Non. Sans expliquer le comment. Jamais ils ne cherchent, non, c'est quoi, ni le comment. Et encore moins, ils ne l'expliquent. Ils ne connaissent même pas c'est quoi le comment, alors comment l'expliquer? Et quand on dit qu'ils ne connaissent pas le comment, ça ne veut pas dire que Allah Ta'ala n'a pas un comment. Il a un comment, mais celui le connaît, ce comment. Nous, on ne le connaît pas. Et on prie à Allah Ta'ala, s'il veut, nous montrera. Non, juste une annonce ici pour vous rappeler, Inch'Allah Ta'ala. Tfadl Samir. Non, comme c'est stipulé sur l'écran du Cheikh, qui est comme on vous l'a précisé la fois précédente, il faut, Inch'Allah Ta'ala, mettre à jour votre version Zoom en mettant la plus récente. Donc, comme c'est stipulé sur le message, il y a deux façons de mettre à jour votre interface Zoom selon votre mode, l'outil sur lequel vous êtes connecté. Si c'est sur ordinateur, il vous suffit de suivre la procédure sur l'image affichée, celle qui est à droite. Donc, la première image en haut à droite, on voit l'interface Zoom, son entrée, on va dire. Ensuite, en haut à droite, il faut cliquer là où il y a votre image de profil. Donc là, sur l'image, forcément, il y a une image noire parce que j'ai une image noire, mais vous allez retrouver votre image principale. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous allez arriver sur l'image qu'on a juste en dessous et il faudra cliquer sur « Vérification des mises à jour ». Là, Zoom va faire une sorte de recherche en vérifiant si vous avez la version la plus récente, Inch'Allah Ta'ala. Si ce n'est pas le cas, ils vont vous proposer une mise à jour à effectuer. Ensuite, vous avez la deuxième façon de mettre à jour si vous êtes connecté sur mobile. Alors là, c'est simple, Alhamdulillah, vous vous connectez sur votre interface d'Apple, Play Store, Apple Store ou autre, et vous effectuez la mise à jour. Aussi simple que cela. Tafadhal Cheikh. Jazakallahu anna khairan. Donc aujourd'hui, c'est l'unicité des noms et des attributs. Non, l'unicité des noms et des attributs, c'est la suite et le dernier cours par rapport à ce chapitre. Yani, Tawhid al-Asma wa Sifat, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Allah azza wa jal nous facilite. Non. Donc, la parole est à toi, Akh Kamel. Tfadl. Ahsan Allahu ilaykum. Dhikru sifat al-istiwa'i 'ala al-'arsh. فمن صفاته تعالى ما نص الله تعالى عليه بقوله الرحمن على العرش استوى في مواضع من القرآن، فيستفاد منها إثبات استواء الله على العرش استواء حقيقيا نعرف معناه ونجهل كيفيته. L'attribut de l'établissement au-dessus du trône. Parmi ces attributs تعالى, ce qu'Allah a formellement indiqué par sa parole, selon une traduction du sens, le tout miséricordieux qui s'est établi au-dessus du trône, et cela à plusieurs endroits du Coran. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, parmi ses attributs, Azza wa Jal, ce que Allah a formellement indiqué par sa parole, le tout miséricordieux, Rahman, al-Arshistawa, qui s'est établi au-dessus du trône. D'après l'auteur, rahimahullah ta'ala, yani, attesté, yani, prouver que Allah subhanahu wa ta'ala s'est établi au-dessus du trône, il a dit que cela a été cité à plusieurs endroits du Coran. Mais il n'a pas dit exactement où ça a été cité. Et, alhamdoulilah, après des recherches, inshallah ta'ala, ça a été cité dans sept endroits du Coran, bi'idhnillah ta'ala. Voici le premier, on va les citer les sept, inshallah ta'ala. Al-ayatul ula, qala ta'ala, إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام
ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. سورة الأعراف الآية 54 و55. Votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis s'est établi istawa al-arsh sur le trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Al-A'raf 54-55. Ahsan, ça c'est le premier endroit, c'est-à-dire le premier verset. Al-ayat al-thaniya, qala ta'ala, inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayyam, thumma istawa 'ala al-'arsh. يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. سورة يونس الآية الثالثة. Votre Seigneur est Allah qui créa les cieux et la terre en six jours, puis s'est établi istawa sur le trône, administrant toutes choses. Il n'y a d'intercesseur qu'avec sa permission. Tel est Allah, votre Seigneur, adorez-le donc. Ne réfléchissez-vous pas. Yunus verset 3. الآية الثالثة. كمل وش بيك؟ نعم كان قال تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الرعد الآية الثانية. نعم. الله est celui qui a élevé bien haut les cieux sans pilier visible. Il s'est établi, istawa, sur le trône et a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme fixé. Il règle l'ordre de tout et expose en détail les signes afin que vous ayez la certitude de la rencontre de votre Seigneur. Ar-Ra'd, verset 2. Ah, subhanallah. Il expose en détail les signes afin que vous ayez la certitude que il existe et que vous allez le rencontrer. Les signes religieux, le Coran et la Sunna, plein de signes. Et les signes universels, les montagnes, le soleil, la terre, la pluie, les oiseaux, les couleurs, les. Regarde en face de toi, à ta droite, à gauche, au-dessous de toi, lève tes yeux vers le ciel. Tout cela, ce sont des signes. Il n'y a que l'aveugle qui veut s'aveugler, qui veut encore s'aveugler, qui ne peut pas voir. Qui ne peut pas voir que tout, subhanallah al-azim, ce sont pas des indices, des preuves, yani, indubitables. De quoi ? De l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Il n'y a que l'aveugle qui ne voit pas ça. L'aveugle, il a quoi ? Le qui veut s'aveugler, il a un voile, yani, dans son cœur, donc il ne voit pas. Lui, il regarde, subhanallah, les cieux, cette beauté, ces montagnes, je ne sais pas quoi, la pluie, le vent, les fleurs, il te dit non, ça c'est naturel, c'est venu comme ça. Reste donc comme ça, reste. Demain tu vas mourir, tu vas voir, reste. Non. Tafadhal. الآية الرابعة قال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. طه الآية الأولى إلى الخامسة. Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux, si ce n'est qu'un rappel pour celui qui redoute Allah, et comme une révélation émanant de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes. Le tout miséricordieux s'est établi, istawa, sur le trône. Taha, verset 1 à 5. Ça, c'est le quatrième endroit, c'est-à-dire le quatrième verset où c'est cité l'istiwa, où c'est cité l'istiwa. Chauffe. Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Jamais une personne qui s'agrippe au Coran d'après la vraie compréhension, pas la compréhension des soufis ou des khawarij, la vraie compréhension des salafs ne sera malheureux. Parce que Allah Ta'ala a dit, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. C'est-à-dire, justement, nous l'avons fait descendre pour que tu sois heureux. Jamais une personne qui s'agrippe au Coran comme il se doit, et à la Sunna bien sûr,
ne sera malheureuse. Sauf si, bien sûr, le système de valeurs n'est pas bien compris. Sauf si la personne croit que être heureux, c'est posséder la meilleure voiture et la plus belle villa. Il dit, plus j'ai pas la villa, et plus j'ai pas la plus belle voiture, donc je suis malheureux. Taqillah subhanahu wa ta'ala. C'est pas comme ça. Ça, c'est un système de valeurs faux. Mais être heureux, c'est même si tu es le plus pauvre, mais tu te sens le plus heureux dans ton cœur. Car le plus riche, il est possible, et ce n'est pas impossible, c'est sûr. S'il est loin d'Allah, il va sentir le plus pauvre et le plus malheureux. C'est une question de qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. S'il y a le paradis, tu sens le paradis, la douceur de la foi, l'iman, masha'Allah, le khushu, tu pleures quand tu entends le Coran, ceci, cela. Voilà, tu es des plus heureux, bi'idhnillah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était parmi les plus pauvres. Mais c'était l'homme le plus heureux, bi'idhnillah. Toute personne s'agrippe comme il faut au Coran et à la Sunna. D'après yani, la vraie compréhension, elle vivra la plus heureuse, bi'idhnillah, subhanahu wa ta'ala. Même si les gens la voient pauvre ou là, pauvre, pauvre yani, dans l'apparence, mais c'est le plus riche, c'est la personne la plus riche dans yani, les sentiments, bi'idhnillah ta'ala. Naam. On continue, inshallah. L'ayat al-khamisa, qala ta'ala. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا سورة الفرقان الآية 59. Le verset numéro 5. C'est lui qui, en six jours, a créé les cieux, la terre et tout ce qui existe entre eux. Et le tout miséricordieux s'est établi, istawa, ensuite sur le trône. Interroge donc qui est bien informé de lui. Al-Furqan, verset 59. Les quatre premiers versets qu'on a cités, j'avais oublié de faire quelques commentaires. J'étais un peu occupé à penser à d'autres choses. Malish. Ici, nous sommes au cinquième endroit. Cinquième verset où Allah Ta'ala parle de yani, son établissement sur le trône. Naam, il y en a sept. Il aurait... Naam ? Que pensez-vous, cher, de mettre au-dessus du trône ? Qu'est-ce que c'est écrit ? Sur le trône. Là, au-dessus. Au-dessus, c'est mieux. Non, au-dessus, c'est mieux, c'est ce qu'il faut. Sur, ça peut donner à confiance. Voilà, je suis sur le chameau. Enfin, ça veut dire qu'il y a un toucher entre moi et lui. Non, un contact, barakallahu fik. Donc, sept fois seulement dans le Coran, Allah Ta'ala yani, montre que il s'est yani, établi au-dessus du trône. Une seule fois, ça aurait suffi pour le croyant. Mais sept fois pour te rappeler. Peut-être que tu oublies. Tu vas dire qu'il ne s'est pas établi. Ou là, tu vas dire qu'il est partout. Ou là, tu vas dire je ne sais pas où il est. Ou là, tu vas dire il ne faut pas parler comme ça. Il ne faut pas dire où est-ce qu'il est. C'est pas permis, comme disent l'Ahbash et autres. Et comme ça. Non, sept fois dans le Coran. Subhanallah al-Azim. C'est lui qui, en six jours, a créé les cieux et la terre. A créé les cieux et la terre, tout ce qui existe. Tout ce qui existe entre eux. Pourquoi en six jours ? Il aurait pu dire « Kun fayakun » soit « Et tout ce monde yani, serait » en une fraction de seconde et moins. Mais six jours, c'est pas là, pour créer les cieux et la terre. Pourquoi yani, il ne peut pas ou là, il a besoin d'aide, ou il a besoin de réflexion, il a besoin d'ordinateur et là, pour créer toutes ces choses. Les savants disent pour que nous prenions cela en modèle. On ne doit pas se hâter. Naam. Allah Ta'ala qui peut en une seconde tout créer a fait exprès et laissé six jours pour la création. Pourquoi nous, yani, on se hâte comme ça dans nos projets? Il faut que ça soit vite. Yani, en une seconde, on fait tout. Non, doucement, doucement. Comme on dit, qui va doucement, va sûrement bi'idhnillah Ta'ala. Naam. C'est ce qu'on yani, pris comme fait Ida les savants de ce verset bi'idhnillah Ta'ala. On revient marche arrière. J'ai dû toucher quelque chose. On dit à quel verset ? Celui-là. Non. Tafadhal. Al-ayat al-sadisa. Qala ta'ala, Allah alladhi khalaqa as-samawati wal-arda wa ma baynahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh. Ma lakum min dunihi min waliyyin wa la shafi'in afala tatadhakkarun. Sourate al-Sajdah, al-ayat al-rabi'ah. Ahsant.
traduction rapprochée du sixième verset. Allah qui a créé en six jours les cieux et la terre et ce qui est entre eux. Ensuite, il s'est établi, istawa, au-dessus du trône. Vous n'avez, en dehors de lui, ni allié ni intercesseur. Ne vous rappelez-vous donc pas, Sejda, verset 4. Donc il montre que c'est en six jours. Il s'est établi au-dessus du trône. C'est mieux que sur le trône, au-dessus du trône. On va voir dans le cours maintenant, on va voir, Inch'Allah ta'ala, qu'est-ce que ça veut dire, il s'est établi au-dessus du trône. Naam, bi'idlillahi ta'ala. Fadal. الآية السابعة قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير سورة الحديد الآية الرابعة أحسنت Traduction rapprochée du septième verset. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis il s'est établi au-dessus du trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Et il est avec vous où que vous soyez. Et Allah observe parfaitement ce que vous faites. La sourate Al-Hadid, verset 4. Donc c'est lui qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis il s'est établi au-dessus du trône. On regarde ensuite l'immensité de son savoir et de sa science. Il sait ce qui pénètre dans la terre. Nous, on sait ce qui pénètre dans la terre. Nous, ce qu'il y a sur la terre, on ne sait pas. Si on sait, on sait là où je suis, dans mon endroit. Mais je ne sais pas ce qu'il y a dans la terre en Russie ou là, ce qui se passe en Espagne ou là. Et ici aussi, ce qui en sort. Tout ce qui sort de la terre, toutes les plantes, tous les vers, tout ce qui sort de la terre, il sait. Et ce qui descend du ciel, tout ce qui descend, ou qu'est-ce qu'on voit qui ce qui descend du ciel? On voit seulement la pluie peut-être, Allah Ta'ala, c'est tout ce qui descend. Il y a des milliards et des milliards et des milliards, j'ai dit des milliards, je préfère dire infini, un nombre d'anges qui descendent et qui montent. Comme a dit le prophète Ali Sassam dans un hadith authentique, il a dit il n'y a pas un empan. Vous savez ce que c'est un empan? Chibre, ça, on fait avec les doigts comme ça, la distance qu'il y a entre le pouce et l'aniculaire, le doigt le plus petit, ou l'auriculaire. Comment ça s'appelle là? Malish. Entre le pouce et le doigt le plus petit, la distance qu'il y a entre les deux s'appelle un empan. Le hadith a dit il n'y a pas un empan ou il n'y a pas un ange. Subhanallah al-Azim, un ange en train de se prosterner ou d'être debout ou en train de faire le rukou. Subhanallah al-Azim, imaginez les cieux. Le petit doigt, c'est l'auriculaire. L'auriculaire. Imaginez cette distance. Ça peut être peut-être 10 cm, peut-être. Ça dépend déjà des mains et des doigts. Il y a un ange. Imaginez les cieux, combien ils sont larges, combien ils sont longs, combien ils sont grands. Imaginez combien il doit y avoir d'anges. C'est pour ça que Allah Ta'ala dit il ne connaît les soldats de ton Seigneur que lui. C'est pour ça que quand j'ai dit des milliards et des milliards, j'ai corrigé. Des milliards et des milliards, c'est rien. Un nombre infini. Ceux-là, Allah Azza wa Jal les connaît. C'est lui qui les a créés. Comment il les connaît? Et malgré cela, qu'est-ce qu'il a dit? Et il est avec vous où que vous soyez. Comment? D'un côté, on dit c'est établi au-dessus du trône. Et de l'autre, il a dit il est avec vous. Comment on joue entre les deux? Il s'est établi au-dessus du trône avec son entité, son essence. Et il est avec vous, avec sa science. Où que vous soyez. Où que tu es. Il est avec toi, avec sa science. Il voit ce que tu fais et il entend ce que tu dis et il sait ce que tu penses et ce qu'il y a dans ton cœur et tes projets et tes ceci, tes cela. Tout cela, il le sait, Azza wa Jal. Et quand il dit aussi qu'il est avec vous, où que vous soyez, des fois il est avec certains, en plus d'être avec eux, avec sa science, il est aussi avec son aide et son secours. Et ça, c'est pour
les croyants et les élus d'Allah et les gens qui craignent Allah et comme ça. Non. Donc, voilà les sept endroits où Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran qui s'était établi au-dessus du trône. On en extrait comme point bénéfique l'attribution de l'élévation d'Allah au-dessus de son trône, d'une élévation réelle dont nous connaissons le sens et ignorons le comment. Donc on a pris maintenant quoi des sept endroits qu'il a cités dans le Coran. On a pris, yani, la plus grande faïda, c'est quoi? C'est d'attester à Allah Azza wa Jal l'élévation, qu'il est le plus élevé. C'est lui le plus élevé. Non. Si maintenant on va monter dans les cieux, le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, bien sûr, entre chaque ciel, des milliards d'années de lumière, etc. Septième ciel, ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ensuite, on monte, je ne sais pas combien, ensuite, il y a le trône. Et ensuite, au-dessus du trône, il y a Allah subhanahu wa ta'ala. Au-dessus du trône. Quand on dit au-dessus, on n'a pas dit qu'il était dessus. Non, mais il y a quelqu'un qui avait contact. On ne cherche pas à comprendre ça. On dit qu'au-dessus du trône, yani, il y a Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas plus élevé que Allah subhanahu wa ta'ala. Subbih isma rabbika al-a'la. Al-a'la, le plus élevé. Et en même temps, il est avec nous, avec toutes ses créatures, ou bien seulement avec sa science, ou bien avec sa science et son secours et son aide pour yani, ses élus, pour ses élus, بإذن الله تعالى. معنى الاستواء على العرش فمعناه العلو والارتفاع بذا جاء لسان العرب واتفق على هذا المعنى أهل السنة والجماعة. Le sens de l'élévation au-dessus du trône. Son sens est la hauteur et l'ascendance. C'est avec cela qu'est venue la langue des Arabes. Les gens de la Sunna et du groupe sont unanimes sur ce sens. Allah Azza wa Jal, c'est plus haut, le plus élevé. Naam. Il n'y a pas plus élevé que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est impossible. C'est impossible. C'est lui le créateur. Naam. Tous les autres qu'il a créés sont au-dessus de lui. Naam. Zalum li kamera yidoro. Allah al-Musta'an. Allah al-Musta'an. Majhasbun Allah ni'mal wakil. عدم معرفة كيفية الاستواء أما كيفية هذا الاستواء فلا يعلمه إلا الله وحده لا شريك له ذكر صفة السمع والبصر. La non-connaissance du comment de l'élévation. Quant au comment de cette élévation, personne ne le connaît en dehors d'Allah, seul, sans associé. Et maintenant, si quelqu'un va dire c'est quoi, c'est comment cette élévation, comment il s'est élevé, de quelle manière, on va dire, ça, personne ne le connaît en dehors d'Allah. Donc, ne pose pas de questions sur des choses qui n'ont pas de réponse, car tu perds ton temps. Va apprendre quelques versets, va apprendre des hadiths, va lire des livres de din, écouter des audios, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux pour toi. Non, mais demander et poser des questions sur des choses qui n'ont pas de réponse. Le prophète, alayhi salam, s'il était vivant, tu l'aurais posé la question, il t'aurait dit, ou bien il aurait dit, il aurait fait une doua, il aurait dit, Rabbi zidni ilma. Wesh kayn? Naam, chef. Attendez, chef, très tard. Qu'est-ce qui se passe? Le son. Wahed iPhone 5, ken andou le mic, subhanallah. Ah. Ma bich alayhi balak, ça a un bug, chef. معليش خلاص الشيخ الحمد لله خلاص خلاص الحمد لله شيخ تفضل وكي إذا كان عنده المايك نحيه خرجوا من نحيته خلاص نحيته لا راه يلعب بالمايك هنا خرجوا فوسي نعم جي شوازي اون بارول دو الإمام مالك رحمه الله تعالى أبيان غوتونيغ بارابور أو زاتريبي دو الله عز وجل الإمام مالك رحمه الله تعالى فهمت تفضل يا نعم جاء في التمهيد لابن عبد البر والذخيرة للقرافي قال رجل لمالك أبا لحظة القرافي القاف بالفتح نعم والذخيرة للقرافي قال رجل لمالك أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأطرق مالك برأسه حتى علاه العرق ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج
dans le Tamhid, un livre de Ibn Abd al-Barr, l'un des grands savants salafis malikites. Ou al-Dakhira, le livre qui s'appelle al-Dakhira aussi, de al-Qarafi. Al-Qarafi n'est pas connu, bien sûr, comme Ibn Abd al-Barr dans yani, la droiture, dans yani, le minhaj. Non, le minhaj. Al-Mouhim. Alors, une personne, ou bien un homme a dit à l'imam Malik, il lui a dit, Abu Abdillah, l'appelé par sa kunya. L'imam Malik, sa kunya, c'est Abu Abdillah. Il lui a dit, le verset Rahman à l'archistawa. Rahman s'est établi au-dessus du trône. Comment il s'est établi? Comment? Imam Malik, quand il a entendu cette question, il a descendu sa tête vers le bas, حتى على العرق et يعني il a commencé à avoir presque comme on dit des frissons jusqu'à avoir quoi la sueur qui coulait يعني de son front, une grande sueur a commencé à couler de lui. Il est resté comme ça quelques instants, je ne sais pas combien exactement. Ensuite il a levé la tête. Et il a répondu à la personne qui lui a demandé comment Allah, comment le Seigneur s'est établi au-dessus du trône. Il lui a dit, l'établissement au-dessus du trône n'est pas inconnu. C'est quelque chose de connu. Ou le kif, ghayru ma'qul. Quant à comment il s'est établi, il n'y a rien yani, dans la raison qui puisse montrer cela. Ce n'est pas connu. Ou l'iman bihi wajib. Mais, yani, croire en cela et attester l'établissement de l'Azal au-dessus du trône est une chose obligatoire. Et le fait de poser cette question, comment il s'est établi, chercher le comment, ça rentre dans la bid'a. Et je ne pense et je ne vois que tu es quelqu'un de la bid'a, des gens de la bid'a. En parenthèse, il veut dire que ce sont eux qui posent ce genre de questions. Thumma umira bihi fa ukhrij. Ou bien lui, il a amara bihi, ou bien yani, ensuite, l'imam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, faites-le sortir de mon assise. Chassez cette personne de mon assise. Donc on va prendre ici beaucoup de choses importantes. Imam Malik, rahimahullah ta'ala, quand cette personne lui a demandé comment Allah Ta'ala s'est établi au-dessus du trône, il est rentré dans une situation yani, vraiment il l'a mis dans l'embarras. Il n'a jamais entendu quelqu'un avant lui poser cette question. Il s'est étonné, il a baissé la tête, il a commencé à suer. Ya Rab, c'est quoi cette question? Et comment vais-je répondre à cette personne? Jamais une personne yani, il ne m'a posé cette question, ni les salafs m'ont posé cette question avant lui. Non. Il lui a dit, écoute, istiwa, l'établissement au-dessus du trône, dans lequel yani, tu cherches la réponse, auquel tu cherches la réponse, il n'est pas inconnu. Il est connu que Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, il y a 7 versets, au moins dans le Coran. Mais la façon et le comment n'est pas connu. Ce n'est pas connu. Mais apprends que yani, c'est obligatoire d'attester que Allah Ta'ala est au-dessus du trône. Wajib. Si tu n'attestes pas, tu as fait des péchés. Si tu n'es pas au-dessus du trône, tu as fait des péchés. Certains vont même jusqu'à faire le takfir de celui qui dit qu'il n'est pas au-dessus du trône. Mais quand on dit qu'ils font le takfir, bien sûr, c'est pour les gens qui... Yani, tu lui ramènes tous les détails, tous les versets, tous les hadiths, il ne veut pas les croire. Et c'est ensuite les savants qui font le takfir, c'est pas nous. Le takfir, le tafsir, le tabdi'a. Ça, c'est, on le laisse aux savants. Nous, on est, des talabas, on apprend, c'est tout. On apprend, bi'idhillahi ta'ala. Ensuite, quatrième base, il y a des bases ici. Quatrième, 1, 2, 3, 4. Il lui a dit, su'al anhu bid'a. Poser une question pareille sur le comment, c'est bid'a. Ça rentre dans la bid'a. Non. Mais il a dit, su'al anhu. C'est-à-dire poser la question sur le comment et non pas poser la question sur yani, l'établissement. Là, sur le comment de l'établissement.
Car certains maintenant, si tu lui dis, par exemple, où est Allah ? Juste, tu veux poser une question pour tester sa aqida. Yasma, juste une question, yani, surtout si c'est un ami ou là, quelqu'un de la famille. Je veux voir sa aqida, yasma, où est Allah ? Beaucoup vont dire, yasma, il ne faut pas poser une question pareille. Chauffe la. Il ne faut pas poser une question pareille. Pourquoi ? Il te dit parce que ce n'est pas possible de poser une question pareille. Et pourquoi ce n'est pas possible ? Il te dit personne ne sait où est Allah. Personne ne sait. Et les sept versets, qu'est-ce qu'on en fait qu'ils disent que Allah est au-dessus du trône ? Et le prophète, alayhi sallam, qui a demandé à la bergère, il lui a dit où est Allah ? Est-ce qu'il s'est trompé quand il a posé cette question ? Ou bien il a été impoli avec Allah ? Ou bien il est djahel ? Il ne savait pas que ça ne se pose pas. Taqullah subhanahu wa ta'ala. Les gens ne prennent pas leur religion. Ensuite, blâme et critique les gens qui sont sur le vrai, la sunna. Toi, tu n'as jamais lu, essayé de comprendre le Coran et ne sais même pas qu'il y a un hadith authentique. Que le prophète islam a demandé à une fille, une petite fille, une bergère, et lui a dit où est Allah ? Elle a dit il est dans les cieux, au-dessus du ciel. Fissama. Elle a dit il est fissama. Au-dessus des cieux, le plus élevé. Non. Tu ne sais pas, tu ne connais pas ce hadith. Si tu viens de critiquer les gens qui posent des questions pareilles, tu leur dis qu'il ne faut pas poser des questions. Taqidullah subhanahu wa ta'ala, apprends ta aqida. Ensuite, Imam Malik, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Wama araka illa mubtadi'an. Je ne vois que tu es quelqu'un des gens de la bida. Ensuite, il a dit chassez-le de mon assise. C'est pour ça que les savants comme Cheikh Ibn Uthaymeen aussi dit que si quelqu'un est dans l'assise, il fait des mashakil, ou bien veut perturber l'assise, ou là, il dit qu'il faut le chasser. Il ne faut pas le laisser, car il peut perturber l'assise et dévier les gens et leur donner des choubouhettes. Donc une personne pareille lui a dit, Imam Malik a dit, chassez-le, je ne veux pas qu'il assiste à mes cours. Et là, pour terminer avec l'imam Malik, je voudrais dire une chose. Où sont les faux malikites ? Ah, ceux qui disent « Nahno malikia, malikia, moi je suis malikite ». Toi, tu es malikite, il y a Kedzab, il y a menteur, tu es malikite, toi. Si tu es malikite, pourquoi tu ne suis pas l'imam Malik ? Est-ce que les malikites d'aujourd'hui qui disent « Nahno malikia », on suit l'imam Malik, est-ce qu'ils disent que Allah est au-dessus du trône ? Ce n'est pas vrai. Menteur. 80%, 90% des malikites sont de nos jours ash'arites. Ash'arites et encore pas le vrai ash'ari, Hassan Abu Hassan ash'ari. Ensuite, il est revenu sur le vrai minhaj. Ils sont sur l'ancien madhab de Abu Hassan ash'ari quand il était dans l'égarement. Il était mu'tazili, ensuite il est devenu kullabi, il a suivi Mohammed Kullab. Eux, ils disent les Ash'ari dans ce sens. Sinon, Abu Hassan Ash'ari est devenu parmi les meilleurs des salafs. Et sur le mimbar, il a enlevé sa veste. Il a dit, j'enlève, je me désiste, je me rétracte du madhab de Batil, de Ibn Kullab et de Mu'tazila, et je rentre vers le madhab de Al-Sunnah, comme je retire ma veste. Il l'a retiré sur le mimbar. Il a écrit plein de livres après, Ibana et autres, pour montrer qu'il était sur le madhhab al-sunnah al-jama'a. Maintenant, les maliki disent « Je suis maliki » et « Tu es maliki toi, tu n'es pas maliki, tu es chari, tu mens. » Je te donne la preuve. L'imam Malik, regarde ce qu'il a dit. « Ar-Rahman wa al-Arshistawa » Il a dit « Celui qui ne dit pas comme ça, allez, chassez-le de mon assise. » Car l'imam bihi wajib, c'est obligatoire de croire en cette chose, là au-dessus du trône. Et bien maintenant, il te dit, je suis malikite. Arrête de mentir. Quel malikite, toi, tu es malikite. Tu es chari, tu n'es pas malikite. Non, regarde Ibn Abdel Barr, l'un des grands savants malikites. Non, comment qu'il cite ça. Non. Voilà, si tu es malikite dans le sens, tu suis Ibn Abdel Barr et les grands savants malikites qui étaient sur la Salafia, d'accord. Mais maintenant, 90% à 95% des malikites sont des acharites. Non, qu'Allah Ta'ala nous préserve. On continue, inshallah. ذكر صفة السمع والبصر ومن ذلك أيضا قول الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا فيستفاد من هذه الآية ونحوها إثبات صفة السمع لله والسمع لغة العرب إدراك الأصوات les attributs de l'ouïe et la vue.
Parmi ses attributs aussi, la parole d'Allah Ta'ala, selon une traduction du sens, Allah est celui qui entend et voit tout. On apprend de ce verset et d'autres l'attribution de l'attribut de l'ouïe d'Allah. L'ouïe dans la langue des Arabes est la perception des sons. Une seconde, j'ai oublié une chose, je reviens un peu marche arrière. Naam. Si je peux revenir. Attendez, j'enlève Hadala. C'est ce Hadala qui me gêne. Comment on le vit Hadala? Non, Magda. Taïeb. Quand on a parlé de l'Istiwa al-Arche, l'Istiwa al-Arche, vous m'entendez, Samir? Non, on vous entend beaucoup mieux là, subhanallah. Alhamdoulilah, quand on parlait de l'Istiwa al-Arche, l'établissement au-dessus du trône, qu'on avait dit que yani, c'était obligé de l'attester, cet attribut qu'on a au-dessus des créatures, au-dessus de son trône. Et on avait montré la parole de l'imam Malik, Ibn Abdul Barr, Al-Qarafi, et que les selfs tous étaient d'accord et unanimes sur l'attestation de ce que vient de citer. Je vais vous citer maintenant ce qu'a dit par exemple Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala, par rapport à quelqu'un qui nie et dit que Allah ta'ala n'est pas au-dessus du trône. J'ai pris Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala, comme modèle. Sinon, tous les savants salafis sont yani, sur le même chemin que Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala. Mais il n'y a pas yani, de moyens de les citer tous. J'ai choisi Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala. طيب. Ça, c'est un Soudanais. Samir, vous voyez avec moi? Non, mashallah. Non, quelqu'un lui a posé une question. Il lui a dit, voilà, Khouna, il pose une question. Hein. Il a dit, déjà, c'est un Soudanais. Voilà, c'est un Soudanais. Il a dit, il y a eu une confrontation, une polémique, une discussion entre moi et un frère, un des frères. Pas mon frère yani, de sang, hein, frère Feddin. Al-Nahoutali, d'après yani, ce qui suit à peu près, il a dit il s'est je lui ai parlé de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit Inna Allah laytasif bizaman. Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas le décrire avec le temps ni l'endroit. Ni le temps ni l'endroit. Alors je lui ai cité, il a dit, je lui ai cité le verset Rahman wa al-Arshistawa, Taha 5. Il m'a répondu, Faqad, il n'a qu'à kafir. Subhanallah, là, je lui cite un verset. Je lui dis, c'est Allah qui a dit qu'il s'est établi au-dessus du trône. Il a dit, il n'a qu'à kafir. Je suis devenu kafir. Hein? En France, ils font beaucoup ça, l'ihbash. L'ihbash, justement. La même chose. Chauffe. Tu m'as juste, tu m'as précédé, c'est tout. J'allais dire justement, l'ihbash, subhanallah, l'adim. L'ihbash, qu'Allah, subhanallah, t'a dit, guide ou le brise le haut ou leur brise leur dos. Qu'est-ce qu'ils font, l'ahbash? L'ahbash, la première des choses, naam, si jamais tu rencontres un ahbash, la première des choses, il fait le takfir de tous les grands savants. Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn al-Baz, Ibn al-Sheikh, Ibn al-Uthaymin, Al-Muhim, Sheikh Fawzan, tout ça, ils te disent, ce sont des kuffars. Pourquoi des kuffars? Parce qu'ils disent que Allah Ta'ala est au-dessus du trône. Et mais c'est Allah Ta'ala qui a dit, c'est pas moi, c'est lui qui a dit, Rahman al-Arshistawa. Cet endroit du Coran. Tu dis non, mais ça, c'est pas ça son sens. Si c'est pas ça son sens, pourquoi yani, les salafs ne l'ont pas montré? Pourquoi le prophète n'a pas montré? Donc le prophète Aslam a, yani, a enfreint une grande. Il a fait une grande faute aussi. Il n'a pas montré aux gens que le verset Rahman al-Shtawa, c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Et alors qui va nous le comprendre? Celui qui va te faire comprendre que ça veut dire Rahman al-Shtawa, c'est l'égareur Abdullah al-Harari, le grand gourou qui est mort, ça fait 7 ans, 7 ans, 8 ans, quelque chose comme ça, qui était en Éthiopie, il a vécu au Liban. Il a essayé de vivre en Arabie Saoudite, on l'a découvert, on l'a chassé. Ensuite, avant cela, il était en Éthiopie, enfin, il est éthiopien. Dès que le gouverneur a su c'est quoi sa vraie aqida, il l'a chassé. Il s'est enfui, il est allé en Arabie Saoudite. Il reste 2 ou 3 années où là, le gouverneur a eu vent de qu'il était présent dans son pays, il l'a chassé. Où est-ce qu'il est allé? Il est allé vivre au Liban. Au Liban, mashallah, avec les chrétiens, les juifs, les francs-maçons, les soufis. Ah, mashallah, au Liban, fais ce que tu veux, dis ce que tu veux. Enfin, déjà, le gouverneur lui-même, c'est un kafir, c'est un chrétien. Donc, alhamdoulilah, là-bas, ça a prolifié, ça a marchandise, ça a marché.
Fahmt. Il a construit des écoles, des... Ensuite, il a, maintenant, il a partout. Aux USA, en France, où tu vas, il y a les Ahbesh, que Allah Ta'ala nous préserve. Rappelez-moi, vous qui êtes en France, ils ont une majla très connue, HBBP, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle? Un calendrier très connu, un calendrier. Kamel. Hein? Un calendrier très connu, l'Ahbesh. Attendez, cher, je vais vous trouver le nom tout de suite, très rare. Très connu, ils font de la publicité avec. Il fera pour deux maisons, il te donne le calendrier. Naam, calendrier, Zama fait l'awqat, salat, fait ceci. S'il y a parmi les présents quelqu'un qui peut nous donner le nom du calendrier très connu, HBP, ça contient le B, le P à l'intérieur, IBP ou quelque chose comme ça. Samir, Samir, tu m'entends? Il y a une house sur Google, mais c'est Merguetoche. Ferme le micro, je reviens dans une minute. Et cherche en même temps, cherche. D'accord, donc je vais ouvrir la conversation. Il y a quelqu'un avec nous qui s'appelle Fawzi. Tu connais Fawzi du 30 qui était à Dimna avec moi? Non, il y a Fawzi avec nous. Chauffe-le, il sait ce qu'il y a. Chauffe-le. Donc je vais envoyer un message Telegram. Salam alaikum. Non, donc salam, cher. Fawzi m'a envoyé, cher. A-T-B-I-F-A. Je l'ai remis, j'ai anticipé, cher, le micro. Ah, d'accord, ça. APBIF, APBIF. Voilà, APBIF, très connu. Un calendrier vient frapper aux portes, ils disent on vous rapporte un calendrier. Dès que tu vois quelqu'un parler de ce calendrier, là c'est un hbesh. Il faut prendre garde de lui. Alors la personne qui a posé la question, elle a dit moi, je lui ai cité le verset Rahman al-Ashtawa. Il m'a dit tu es kafir. Il m'a dit tu es kafir. Allah laysa fi sama. Allah ne se trouve pas. Yani, au-dessus des cieux, فما حكم التكفير. Alors, yani, c'est quoi le statut de celui qui a dit cela, hein? وما حكم من يعتقد هذه العقيدة. Et c'est quoi le statut de celui qui a une aqida pareille, c'est-à-dire qui dit que Allah Ta'ala n'est pas au-dessus du trône et n'est pas au-dessus des cieux et il ne faut pas parler d'Allah, il n'a ni endroit, ni wasmo, ni temps, ni... Bien sûr, Allah n'a ni endroit, ni temps. Mais qu'est-ce que tu veux dire par endroit, si tu veux dire qu'il n'est pas au-dessus du ciel? Femme. Là, ça samahni. Femme, si tu veux dire par ça endroit, ça samahni, hein? Non. Alors, on va voir ce que va dire Cheikh Ben Baz, rahimahullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Fahad al-rajoulou, cet homme, alladhi qala laka hadhihi al-kalam, qui a dit cette parole, wa anna Allah subhanahu wa ta'ala laysa fawqa al-arshi, que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas au-dessus du trône, huwa al-kafir. C'est lui le kafir, pas toi. C'est lui l'égaré, l'égareur. Car il a dit à Allah que Allah Ta'ala était menteur. Il dit que le prophète est un menteur. Car Allah et son prophète ont dit qu'il était au-dessus du trône, bien sûr. Ensuite, il a cité le verset. Ar-Rahman wa al-Arshi istawa. Et le deuxième verset. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ard. Cet ayam, thumma istawa al-Arsh. Établi au-dessus du trône. قال هذا الشيخ بن باز دي قال هذا سبحانه الله تعالى دي سولا دون سيت اندوا دو كوران سيت بارتي واخبر اي اوسي لا انفورمي الى دي امنتم من في السماء الملك 16 امنتم في السماء من في السماء vous êtes en sécurité de celui qui est dans le ciel qui est dans le ciel dans le ciel ça veut dire au-dessus du ciel qui est au-dessus du ciel الله تعالى ولما جاء رجل بجارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعتقها قال له النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله؟ قال أعتقها فإنها مؤمنة نعم معاوية بن الحاكم هذا الصحابي il avait une esclave une petite fille une bergère une bergère طيب un jour il a giflé et vous savez dans la charia quand quelqu'un frappe l'esclave نعم il doit quoi il doit la franchir. Alors quand il a giflé, il a dit subhanallah l'adim, est-ce que maintenant je dois yani, la franchir ou pas? Il est allé au prophète alayhi sallam, il lui a dit voilà, elle m'a énervé, je l'ai giflé. Alors le prophète alayhi sallam maintenant va lui poser une question pour savoir quoi? À la bergère, il va lui poser une question pour savoir si elle est croyante, si elle est kafira. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit Aïn Allah. Où est Allah? Il dit à la petite bergère. Elle dit, fils Sama, dans les cieux.
ça veut dire au-dessus du trône. Il lui a dit, Manana, et moi, qui suis-je? Qalt anta Rasulullah, tu es le messager d'Allah. Il a dit, a'tiqa, na'am, affranchis-la, fa'innaha mu'mina, c'est une croyante, c'est une croyante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le fait qu'elle ait su que Allah était au-dessus des cieux et que je suis son messager, c'est une croyante. Ça veut dire le croyant sait cela, il doit attester cela, que je suis son messager et que Allah est au-dessus des cieux. Regardez une petite bergère qui n'a jamais été à l'école, n'am, et sait que Allah Azza wa Jalla est au-dessus du trône. Wadul Ahbash, si tu trouves des docteurs, zama, en sharia, oh Allah ibarak, Allah ibarak, master et doctorat, troisième cycle et 40e cycle, n'am, et tu le trouves la personne la plus jahila dans le monde, dans la harida. Et elle dit, m'skina, une bergère qui n'a jamais été à l'école et encore moins à l'université, c'est que Allah Azza wa Jalla est au-dessus du trône. Allahu Akbar. Regardez la science, ça fait la science de maintenant. Doctorat en sharia, il ne sait pas qu'Allah est au-dessus du et dans les cieux au-dessus du trône. Et la bergère, elle sait. Cheikh Ibn Baz dit, « Fadladhi yaqul, quiconque dit, celui qui dit, « Inna Allah laysa fi sama, que Allah Ta'ala n'est pas dans le ciel. » C'est-à-dire, « Fouq l'arche. » Ou bien, ou bien il dit, il n'est pas au-dessus du trône. Kafir. Celui qui dit comme ça, il est kafir. Zal, égaré. Jahmit, khabith. Khabith, c'est un shaitan, khabith. Fallah, Allah Azza wa Jalla, Yusuf, on le décrit, mais annahu fi sama, qu'il est dans le ciel. C'est-à-dire au-dessus, bien sûr. Ou annahu fawq al-arsh, au-dessus du trône. Fawq jami' al-khalq, au-dessus de toutes les créatures. Comme il s'est décrit lui-même, il a informé de lui-même, c'est lui qui a dit ça. Alors, tu dois informer celui qui t'a posé cette question, tu lui informes de ce que je viens de dire, et tu lui dis, Allah se trouve au-dessus du trône, au-dessus de toutes les créatures, mais c'est établi au-dessus du trône, stiwa an yaliq bi jalalihi, d'un établissement qui lui convient, azza wa jal. La yushabi khalqah, il s'est établi d'un établissement qui ne ressemble en rien à ses créatures. Naam, fi shay'in min sifatih, ne ressemble à rien dans ses attributs, azza wa jal. Naam, l'autre a dit, jazakum Allah khairan, ahsanallahu ilaykum. Donc voilà, par rapport à ce qu'a dit Cheikh Ibn Baz et ce que disait Sunna ou Jama'a, pour ceux qui disent que Allah Ta'ala n'est pas dans les cieux, il ne se trouve pas, dans les cieux, ça veut dire au-dessus, bien sûr, il ne se trouve pas au-dessus du trône. Non. Ils vont faire ce fichier, on revient où est-ce qu'on était. On avance. Tfadl. Dhikr sifati sam'i wal basar. Wa min dhalika aydan qawlu Allah Ta'ala. إن الله كان سميعا بصيرا فيستفاد من هذه الآية ونحوها إثبات صفة السمع لله والسمع في لغة العرب إدراك الأصوات. سمير, je vous ai posé une question. Sémir, سمعني. نعم شيخ. هكذا quand je bouge, هكذا donc un micro, هكذا. Il bouge chez vous ou il bouge pas? شوية بصح مش c'est pas gênant, شيخ. Non mais l'écran, il bouge chez vous là, là mais il se rouge quand même. Non, l'écran, ouais, alhamdoulilah. Ils ont ça chez moi non. Seulement. D'accord. Les attributs de l'ouïe et la vue. Parmi ces attributs, aussi, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon une traduction du sens, Allah est celui qui entend et voit tout. On apprend de ce verset et d'autres l'attribution de l'attribut de l'ouïe d'Allah. L'ouïe dans la langue des Arabes est la perception des sons. Maintenant, l'auteur, rahimahullah ta'ala, puisqu'il est en train de parler des noms et des attributs, il a parlé de l'attribut de l'établissement du trône. Maintenant, il passe à l'attribut de l'ouïe et la vue, pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala a une ouïe, il entend, et a une vue, il voit. Il a cité le verset, Allah est celui qui entend et voit tout. Donc, on prend de cela l'attribution, naam, de l'attribut de l'ouïe, d'Allah Azza wa Jal. Et lui, c'est quoi? C'est connu chez les Arabes. C'est la perception des sons. Allah entend.
Reste que, on revient à la règle générale de l'imam Malik, on ne demande pas seulement le comment. Comment il entend? Avec une oreille et le tympan. À l'intérieur du tympan, il y a la balance. Et il y a le sphinx à l'intérieur. Je ne sais pas ce qu'il y a. C'est comme ça. On dit Allahu alam. On ne cherche pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est que Allah entend. Il donne le Coran et la Sunna. Ensuite, même logiquement, même si les attributs ne se prennent pas de la logique, du Coran et de la Sunna, logiquement, si Allah subhanahu wa ta'ala n'entendait pas, ça veut dire que je peux l'insulter, il ne m'entend pas. Je peux faire la médisance et la calomnie, il ne m'entend pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala entend. À part les versets qu'il y a les hadiths, dans la logique, dans la fitra, dans la prédisposition naturelle que Allah a créée en nous, que Allah subhanahu wa ta'ala entend. Déjà Allah subhanahu wa ta'ala, quand il blâme les mouchriks qui adoraient les statues et le veau, il dit, il ne voit pas qu'il n'entend pas, il ne parle pas. Il ne voit pas que le veau hada ou les statues ne parle pas, ils n'entendent pas. Donc ça veut dire, moi j'entends et je parle. طيب. On continue, inshallah. Ma'na sifati sam'a. فنثبت لله تعالى سمعا يدرك به الأصوات لا يشبه شيئا من خلق الله ونفوض كيفية ذلك لله تعالى فلا نقول كيف يسمع ولا نخوض في ذلك إذ لم يطلعنا تبارك وتعالى عليه بل استأثر جل وعلا بعلمه. جزاك الله خير. Le sens de l'attribut de l'ouïe. Nous attribuons à Allah Ta'ala une ouïe avec laquelle il perçoit les sons. Sans qu'elle, entre parenthèses, lui, ne ressemble en quoi que ce soit à la création d'Allah. Nous déléguons la connaissance de comment est son ouïe à Allah Ta'ala. Ainsi, nous ne disons pas « Comment est-ce qu'il entend ?» Nous ne discutons pas de cela, puisqu'Allah Tabaraka wa Ta'ala ne nous en a pas donné la connaissance. Mais il s'est plutôt exclusivement réservé sa science. Toi, pourquoi tu veux te faire des problèmes ? Allah Ta'ala ne t'a pas demandé de chercher comment qu'il entend, comment qu'il voit, comment qu'il descend, comment qu'il s'est établi au-dessus du trône, comment qu'il vient au Qiyama, comment qu'il fait ceci, comment qu'il fait cela, comment qu'il est lui. Le comment, il n'y a pas. Il n'y a pas chez Al-Sunnah ou Jama'a le comment. Car c'est une chose qui s'est exclusivement réservée. C'est une science, la science de ces choses. Il l'a laissé spécialement pour lui. Et maintenant, toi, tu veux percer des secrets. Un secret que, dont il n'y a pas de solution, il n'y a pas de réponse. Et toi, suffis-toi à ce quoi les selfs se sont suffis. Les selfs avant toi, le prophète, alayhi salam, Omar ibn Khattab, Abu Bakr, Ali, Uthman, Abu Huraira, Ubayd ibn al-Jarrah, ensuite des milliers de sahaba qui étaient presque 18 000. Ensuite leurs enfants, tabi'un. Ensuite les grands imams, tous les savants. Non, pas chercher à comprendre cela. Pourquoi tu veux, fourrer ton nez dans quelque chose, qui ne t'appartient pas, qui n'est pas ton domaine, et qui en plus de cela ne va rien donner et va te faire entrer dans des ambiguïtés et va te laisser perplexe toute ta vie, errant, ne connaissant pas quoi faire. Beaucoup de qui n'étaient pas salafis, des savants, qui ont passé leur vie à étudier la science, mais ils n'étaient pas sur la voie des salafs. Qu'est-ce qu'ils ont demandé à la fin, comme Razi, rahimahullah et d'autres. Ah, si seulement j'avais la aqida d'une vieille, d'une grand-mère de Nisabour. Nisabour, c'est le pays où il vivait, en Russie, Nisabour, comme Kazakhstan, ces endroits-là. Ah, si seulement j'avais une aqida d'une vieille de ma ville. Pourquoi? Parce que la vieille, qu'est-ce qu'il dit? La vieille ne cherche pas à comprendre. Allah existe. Allah c'est le plus beau, Allah c'est le plus miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala yom al-qiyama il nous fait rentrer au paradis, Allah ceci, ceci. Ah, si seulement j'avais cette aqida, pourquoi j'ai perdu des années à chercher des choses dont Allah ta'ala ne m'a pas demandé de chercher
et regardez maintenant ma main, comme disait savant, ma main يعني, sur son menton, pensif, pensif, perplexe, incertain, incertain. N'am. Ne sachant ce qu'il doit faire, ce qu'il doit tester, ce qu'il ne doit pas tester. Tout ça, pourquoi ? Il a dévié de la voie des selfs. Tu veux, être épargné, n'am, de la déviance ici dans cette dunya et être au paradis au Qiyama, suis la voie des selfs. Suis la voie des selfs, c'est tout. Tu vivras ici, masha'Allah, et tu seras là-bas, masha'Allah, masha'Allah. Allah Ta'ala promet que quiconque, les croyants, zakar ou unta, n'am, soit homme ou femme, n'am, s'il fait les hasanat, n'am, les bonnes œuvres, en étant sur le droit chemin, bi'idhnillah Ta'ala, qu'il le fera vivre ici une bonne vie. لَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاتٍ طَيِّبَةً وَحَسَنَةً. Que Allah subhanahu wa ta'ala va leur faire vivre une vie agréable ici. Et j'explique c'est quoi la vie. La vie, la vraie, la vie du cœur. La vie du cœur. Non, c'est pas la vie de la Porsche, la dernière modèle de la Porsche. Tu peux la voir et être le plus malheureux et te suicider à la fin. Et tu peux vivre sans voiture. J'ai même pas de voiture, mais tu peux vivre, masha'Allah, na'am. Tu te sens Allah libérique, la foi dans le cœur, na'am. Enfin, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer, des choses qu'on ressent. C'est des choses qu'on ressent. Al-Muhim, ce qu'on veut dire ici, que Allah Azza wa Jal, na'am, on lui donne l'attribut de lui. Et qu'il entend, juste, il entend tout, na'am. Tout ce qu'on entend, même des choses qu'on n'entend pas nous, lui, il l'entend. La fourmi, quand elle marche, sûrement qu'elle doit faire du bruit. Mais par rapport à nous, elle n'en fait pas. Parce que Allah Ta'ala nous a créé avec une oreille qui a une limite. Elle peut entendre jusqu'à tel degré. Ensuite, elle n'entend pas ça. Allah Ta'ala entend la fourmi quand elle marche. Et nous, la vue. Allah Ta'ala nous a donné la vue. Mais jusqu'à un certain degré. Ensuite, on ne voit pas. La preuve, tu ne vois pas la nuit. Allah Ta'ala voit la fourmi la nuit et entend, c'est pas quand elle marche. Et quand elle est dans le profond de la terre, dans le profond, car elle fait des trous et elle rentre. Elle peut aller je ne sais pas combien de kilomètres sous la terre. Il la voit la nuit et entend, c'est pas quand elle marche. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Naam. On continue, inshallah, il ne reste pas beaucoup. Ma'na sifat al-basar. Wa hakadha al-basar. إدراك المرئيات كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه Le sens de l'attribut de la vue. De la même manière pour la vue, la perception des choses visibles. Comme il est avéré dans Sahih Muslim, d'après Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu ta'ala anhu, que le prophète alayhi salat wa salam a dit: certes, Allah ne dort pas, il ne lui convient pas de dormir. Il abaisse la balance et l'élève. Il prend connaissance des actes nocturnes accomplis par ses créatures avant que le jour ne se lève et des actes du jour avant que la nuit ne tombe. Son voile est une lumière. S'il l'enlevait, la splendeur de son visage brûlerait tout ce que sa vue atteindrait de sa création. Allahu Akbar. Là, on passe à le musulman doit attester pour Allah Ta'ala à la vue. Et si on commençait par la logique, avant les textes scriptuaires, si Allah Ta'ala ne voyait pas, donc je peux faire plein de péchés et il n'est pas, il ne sait pas ce qui se passe, puisqu'il ne voit pas. Donc, déjà par la logique, on doit attester à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a la vue. Mais de la même manière, c'est quoi la vue? C'est la perception des choses visibles. Comme dans Sahih Muslim, voilà un hadith où le prophète a dit, certes, Allah ne dort pas. Allah.
et il ne lui convient pas de dormir. Pourquoi ? Celui qui dort, il ne sait pas ce qui se passe. Quand tu dors, tu te réveilles et tu trouves que ton fils t'a pris le portable. L'autre, il a pris, je ne sais pas quoi, ta veste. L'autre, il a ouvert la porte. L'autre, ils ont fait des dégâts alors que tu dormais. Imagine que Allah subhanahu wa ta'ala dorme. Madallah, il ne saurait pas. Comment qu'il peut gérer celui qui dort ? Est-ce que celui qui conduit la voiture, il peut dormir ? Une seconde, il fait un accident. Juste une seconde, il fait un accident. Donc imaginez, si Allah subhanahu wa ta'ala dormait, qu'est-ce qui va se passer dans ce monde ? Le soleil, qui lui donne l'ordre d'aller de l'est vers l'ouest, dans une trajectoire bien définie. S'il décale juste d'un centimètre ou millimètre, il va nous brûler. Imagine que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il dort, qu'est-ce qui va se passer ? Le soleil va venir vers, peut-être du sud vers le nord. Et qu'est-ce qui va se passer ? Très grave. Très... Ou alors il va descendre à un mètre au-dessus de nos têtes. Ou alors il va s'éloigner jusqu'à ce qu'on devienne des glaçons. Allah subhanahu wa ta'ala ne dort pas. Naam, ne dort pas. Celui qui dort n'est plus mukallaf. N'est plus mukallaf, ça veut dire s'il fait des choses, il n'a plus de péché. C'est pour ça que si tu dors et que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, tu insultes Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas de péché. Car tu n'as plus la raison. Tu n'es plus responsable. Tu n'es plus responsable. Allah ta'ala, en parlant de Ahl al-Kahf, sort al-Kahf, qu'est-ce qu'il a dit ? وكلبهم باسط ذراع بالوسيد اتوندي افون سولا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ونقلبهم اون لي في تورني فيغ لو فلان droit et vers le flanc gauche sans rester combien dans les 300 et quelques ça 300 et 309 ou 300 d'après les calendriers quelqu'un qui reste 300 ans à dormir si Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas le retourner un peu à droite, un peu à gauche. Qu'est-ce qui va lui passer ? Khlas. Yani son corps, la chair, elle dit khlas, elle va fondre. Il ne restera que les os. C'est pour ça que quelqu'un, quand il va à l'hôpital, s'il reste seulement un mois dans la même position, il va avoir des problèmes. Ça a un an, j'ai oublié maintenant. Il va avoir comme des boutons là, dans son dos. Là. Il faut qu'il change, il change de position. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit ? وَنُقَلِّبُهُمْ. Pourquoi il n'a pas dit qu'ils se retournent ? Parce que ce n'est pas eux qui commandent. Ils ne savent plus ce qui se passe. Non, c'est lui qui les retourne. Donc, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelqu'un qui dort, il ne sait pas ce qu'il fait. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il n'est plus mukallaf. Il n'est plus mukallaf. C'est pour ça que quand on dort, on se réveille. Qu'est-ce qu'on dit quand on se réveille ? Alhamdulillah, alladhi ahyana. Alhamdulillah, qui nous a redonné la vie. Ba'dama amatana, parce qu'on était mort. On ne savait pas ce qui se passait, ce qu'on faisait. Naam. El Mouhim, il abaisse la balance et l'élève. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui abaisse et élève. Celui-là, il est lion, très riche. Demain, il l'abaisse. Il se lève, il trouve qu'il a fait faillite. Et celui-là qui était très pauvre, naam, hop, Allah Ta'ala l'élève. Et il trouve qu'il est devenu milliardaire. Subhanallah l'Azim. Et la même chose, il l'abaisse dans le din. Il était, mashallah, akhlas. Il devient apostat, l'ayadu billah. Il devient kafir. Et l'autre, il l'élève. Il était, subhanallah, vraiment, vraiment loin. Maintenant, il est Allah Ibarak, Qabis, prière à l'heure, Doros, alors qu'il vendait la drogue. Maintenant, Allah Ibarak, mashallah, comment qu'il est devenu. À ne pas le reconnaître. Tu doutes même, c'est celui-là, yani Mohamed qui vendait la drogue. Oui, c'est lui que tu vois maintenant sur le mimbar, en train de faire le Jumu'ah, c'est lui qui donne des cours. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle Mohamed. Je parle comme ça donc, en général. Donc, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui abaisse et qui élève. Naam, la balance est entre ses mains. Si tu veux qu'il t'élève, et recours à lui. Si tu veux yani, qu'il t'élève, soit yani, matériellement, soit... Yani, معنويًا سواء معنويًا يعني on a richesse et dans ça يعني dans le يعني l'iman et tout ça revient vers Allah subhanahu wa ta'ala la balance entre ses mains il prend connaissance نعم de tout ce qui se passe dans la nuit tout ce qu'on fait il a les moindres détails et c'est pas il attend qu'on fasse pour qu'il sache
Et c'est avant que tu fais. Mais pour te dire qu'il te voit et prend connaissance de tout ce qui se passe le jour avant que le jour se lève. Des actes du jour avant la nuit, des actes de la nuit avant le jour. Son voile, il a un voile, Allah Azza wa Jal. C'est quoi? Certains ont dit beaucoup de voiles même. Son voile, c'est quoi? Il y a un voile comme nous, on va prendre un drap, on va mettre un voile autour de nous. Son voile, c'est une lumière. Une lumière indescriptible. On ne peut pas décrire. Incommensurable, qu'on ne peut pas mesurer aussi. Si jamais il enlevait ce voile, alors la splendeur de son visage seulement, ça va brûler tout ce que sa vue atteindrait de sa création. Tout ce monde va se brûler s'il enlève le voile. C'est pour ça qu'il garde le voile. Sinon, tout va se brûler. Tellement yani, son visage est splendide. C'est Allah Azza wa Jal qui nous ouvre la porte yani, de la vue de son visage au Qiyam. Qu'il fasse que nous, yani, tous ceux qui sont présents avec nous aujourd'hui, qu'on soit de ceux qui yani, verront son visage yom al-qiyam bi-idhnillah. Donc ici le hadith, qu'est-ce qu'il a vu le shahid? Sa vue. Qu'Allah Ta'ala a une vue. Sa vue atteindrait, yani, son visage brûlerait ce que sa vue atteindrait. Voilà, Allah Ta'ala a une vue. On va voir ce qu'il y a maintenant. Je crois qu'on a terminé. C'est la fin, cher. Il reste c'est la une fin. طيب on termine. فنثبت لله بصرا حقيقيا يدرك جل جلاله به المبصرات الا ان كيفيه هذا البصر لا نعلمه وانما نعلم ما علمنا الله بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهذه امثله من طريقه اهل السنه في اسماء الله تعالى وصفاته. Nous attribuons donc à Allah une vue réelle avec laquelle il perçoit les choses visibles. Sauf que nous ne connaissons pas comment est cette vue. Nous savons seulement ce qu'Allah nous a appris par sa parole, selon une traduction du sens. Il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Voilà des exemples de la voix des gens de la sunna concernant les noms d'Allah Ta'ala et ses attributs à Azza wa Jal. Tayyib. Donc, on va terminer par dire que dans ce chapitre, dans ce cours, on a appris deux attributs. Ou alors trois avec l'établissement du trône, même si l'établissement du trône, on l'a cité dans le cours passé. Dans ce cours, deux attributs. La vue, la voix, et lui, Allah Azza wa Jal, entend. Et on a appris aussi que, on n'a pas dit que il voyait comme nous on voit. Ni que nous on voit comme lui voit. Ni on a dit qu'on entend de la même façon que lui il entend. Ni que lui entend de la même façon que nous on entend. Ni on a dit comment est cette façon de voir, avec quoi il voit, yani comment. On n'a pas cherché à ça. Même s'il y a des hadiths authentiques qui disent que Allah Ta'ala a deux yeux. C'est pas Allah Ta'ala a deux yeux. Mais il n'y a aucun hadith, à ma connaissance, que Allah subhanahu wa ta'ala a cité l'oreille. Il n'a pas cité l'oreille, il a cité les yeux. Mais, pour terminer, car règle générale, celui qui, si tu lui cites un attribut, il va te dire, on ne peut pas attester cet attribut, car c'est quoi son excuse? Il va dire parce que on va le faire ressembler aux êtres humains. Et on lui dit, taqidah, pourquoi? Qui t'a dit ça? Pourquoi ton cœur est tellement petit, serré? C'est pas là qu'il ne peut pas accepter, il ne peut pas accepter. Chauffe, qui t'a dit? Qui t'a dit ça? Alors, qu'est-ce qu'on commence à lui dire? On commence par en bas et on monte. On lui dit, bon, on t'a dit que Allah Ta'ala, par exemple, voit? Tu lui dis que non. Parce qu'il ressemble, si on dit le voir, on l'a fait ressembler aux créatures. Alors on commence par en bas avec lui, on lui dit, écoute, Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de la vie, il est vivant ou là il n'a pas. S'il dit, Allah ta'ala n'est pas vivant, on lui dit,
va faire une tawba, tu es devenu kafir. Tu as dit que Allah Ta'ala est mort, il n'est pas vivant. Et s'il dit, si, Allah est vivant, on lui dit, mais attends, tu lui as donné l'attribut des créatures, tu l'as fait ressembler à nous. Nous aussi, on vit. Alors on le met dans l'embarras. Maintenant, il choisit. Ou bien il dit, Allah Ta'ala n'a pas de vie, ne vit pas. Il est devenu kafir. Ou bien il sera obligé de dire, Allah Ta'ala vit, a une vie, mais qui ne ressemble pas à notre vie. On lui dit la même chose pour les autres attributs. La même chose, dit que Allah Ta'ala a une vue qui ne ressemble pas à notre vue. Dit que Allah a une vie qui ne ressemble pas à notre vie. Dit que Allah Ta'ala a une descente qui ne ressemble pas à notre descente. Dit que Allah Ta'ala a deux mains qui ne ressemble pas à nos deux mains. Et comme ça, dans tous les attributs, dit la même chose par rapport à la vie d'Allah Azza wa Jal, al-hayat. Car si tu dis qu'il n'a pas de hayat, il est kafir. Et si tu dis al-hayat, al-hayat, nous aussi on est hayat, on a al-hayat. Donc il nous ressemble. Chef, il a une hayat, mais pas comme la nôtre. Nous, on a une vie, par exemple, mais qui ne ressemble en rien à la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que notre vie, elle commence par le néant. Il y a quelques temps, on n'existait pas. Celui qui a 25 ans. Il y a 25 ans, il n'existait pas, il était néant. Si Allah Ta'ala n'avait pas voulu créer, il n'aurait pas créé. Celui qui a 31 ans. Il y a 31 ans, il n'existait pas. Naam. Avant d'être dans le ventre de tout. Son père et sa mère n'étaient même pas mariés, et peut-être même pas nés. Donc, notre vie est précédée par le néant. Et au milieu, plein de maladies, plein de machakines, plein de problèmes. Et à la fin, se termine par quoi? Par la mort. Donc, shift, notre vie ne ressemble rien à la vie d'Allah, qui n'a pas été précédée par le néant, et qui au milieu n'a rien de machaqué, aucun problème, c'est le plus parfait, et qui ne se termine pas. Allah Ta'ala, yani, c'est abd, abadi, azali abadi, n'a pas de début, n'a pas de fin de sa vie. Voilà, inshallah Ta'ala, pour aujourd'hui. Le prochain cours, c'est bientôt, inshallah Ta'ala. Je vous rappelle seulement de faire la mise à jour sur Zoom. Et inshallah Ta'ala, la date sera affichée très bientôt. Le prochain cours, inshallah Ta'ala. Samir Kamel ibn Youssef, si vous avez quelque chose à dire, sinon je termine, inshallah Ta'ala. Non, cher. Juste, comme vous l'avez dit, si je peux rappuyer la chose, maintenir cela, c'est concernant la mise à jour. On a pu voir que ce n'est pas tous les élèves qui ont effectué la mise à jour. Parce que malheureusement, les nouvelles fonctionnalités ne sont pas possibles pour tous et toutes. Donc, ça veut dire que il y a certaines personnes qui n'ont pas fait la mise à jour. Donc, s'il vous plaît, on vous demande une seule chose. Les cours sont le bab et meftouh, la porte est ouverte, il n'y a pas d'inscription, tout est facilité, walillahi alhamd, grâce à Allah Azza wa Jal. Mais on vous demande une seule chose, faites la mise à jour. Wa jazakum Allahu khayra. Barakallahu fikum pour avoir assisté à ce cours. Jazakum Allahu khayra. Allah Azza wa Jal puisse raffermir nos cœurs sur la droite sur le manhaj al-sunna al-jama'a et aqidat de al-sunna al-jama'a et mourir sur l'aqidat de al-sunna al-jama'a. Et merci beaucoup pour les admins et pour tous ceux qui nous aident pour faire ce cours et n'ouvrent pas leur caméra pour nous faciliter la tâche, car chaque fois qu'ils ouvrent la caméra, ça veut dire qu'ils sont en train de perturber, qu'ils le veuillent ou pas, peut-être qu'ils font ça avec bonne intention, mais en train de perturber le cours. Qu'Allah Ta'ala leur pardonne. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum.